on est arrivé au Massif du Sud, donc on va aller faire la rando des Ravages. C'est une boucle de 9 km avec 460 mètres de dénivelé quand même, mais il y a un beau soleil, puis normalement c'est un parcours sur lequel on a une chance de voir des orignaux, sauf que c'est un peu tôt dans la saison et un peu tard sur l'heure parce qu'il est 9h30 passée, mais bon, c'est pas grave, la rando va sûrement être belle. C'est bon, on y va? C'est que c'est super équipé, donc vous avez des poubelles, donc merci de ramasser vos déchets puis de les jeter dans des poubelles qui sont faites pour ça, puis vous avez des toilettes, il y en a un peu partout, donc c'est pour garder le parc propre, donc à utiliser en priorité, il y en a partout dans le parc. Allez, on continue. Alors souvent dans les parcs nationaux, vous allez voir des petits panneaux, comme en arrière de moi le panneau orange, là ça dit réserve écologique, donc ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans le bois à ce niveau-là, donc vraiment respecter les affichages, c'est pour protéger la nature, pour lui permettre de se renouveler correctement, donc quand on voit ces panneaux-là, on ne va pas dans les bois, on continue sur le chemin. Sur une piste, je sais pas si vous voyez les trous sur les côtés, mais en gros c'est des traces d'orignales. Voilà, ça et ça, les trous tout le long, traces d'orignales. Donc là on est en plein cœur de la forêt, c'est ici que vit l'orignal. À cette heure-ci, très peu de chance qu'on en voit, mais c'est le fun pareil de voir les traces. Checker les traces de sabots, c'est impressionnant. Ça, c'est une trace de sabot. Ça aussi. Ça aussi. Et moi, j'ai pas des sabots, je m'enfonce.
suit en fait le chemin, ce qui est le chemin Braquette en hiver. Donc on a suivi tous les petits panneaux bleus depuis la forêt et on finit entre une érablière, il y a des tuyaux partout qui courent dans la forêt et la rivière. Toujours sur un soleil magnifique. Et voilà, on est de retour, enfin arrivé à l'accueil du massif. Donc finalement, ça aurait été un 14 km avec 500 mètres de dénivelé. On s'est un peu perdu à un endroit, on a loupé l'embranchement, donc on est allé plus loin, on est revenu et on a refait la balade d'origine. Donc c'était super beau, il y a plein de belles possibilités ici honnêtement pour tous les niveaux, autant des terrains dégagés, plats, assez larges, autant des choses plus challengeantes on va dire. Donc je vais vous montrer ça sur la carte, le chemin qu'on a fait. Puis pour ceux qui sont amateurs d'hiver, ben, pour l'avoir fait en hiver aussi, c'est vraiment très très beau. Nous on l'a fait, je vais vous mettre des photos à la fin. On s'est retrouvé en haut d'une montagne parce qu'une fois de plus on n'avait pas vu l'embranchement. C'était genre magnifique, un endroit où personne n'avait mis les pieds, donc super beau. Donc je recommande le Massif du Sud, une petite perle. Je vous montre tout ça après puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle rando. Donc, comme promis, voici la carte et le parcours qu'on a fait. Donc, on est parti ici, départ des sentiers. En fait, on est monté. L'objectif étant d'aller là, de faire cette balade-là, mais on a loupé ce petit embranchement. Donc, on est redescendu comme ça, on est remonté, on a traversé ici, on a pris une pause pour manger ici. Finalement, on s'est dit, bon, on a loupé l'embranchement. C'est là qu'on a regardé la carte, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout au bon endroit. On a décidé de remonter pour aller sur une autre balade, mais finalement là c'était fermé, on ne pouvait pas avancer plus, c'était réserve protégée en ce moment. Donc on a décidé de redescendre et d'aller retrouver notre embranchement. Donc on a refait le parcours à l'envers. La deuxième fois on a ouvert grand nos yeux et on a vu le fameux parcours. Ici c'est tout le passage des ravages, donc là où je vous ai montré les traces d'orignaux dans la neige, dans la forêt, dont les arbres étaient hyper serrés. C'était tout ce passage-là en fait. Et puis ensuite on est redescendu par la fameuse descente qui est la piste de Raquette. On est passé dans la vieille forêt, puis on a longé la rivière comme je vous montrais à la fin, le long de l'exploitation, l'érablière, puis la forêt, pour enfin revenir là, donc ce qui nous a fait un gros total de 15 km. Mais c'est très sympa, ça c'est la carte de toutes les promenades, puisqu'il y a cool dans le plan, je trouve ça vraiment super clair. Il vous donne ça à l'entrée, donc vous avez des parcours de randonnée, puis à chaque fois, donc pour chaque parcours, il y a une mini description, il y a le temps, la longueur, le dénivelé qui est important, si vous n'avez pas trop d'entraînement, ou si vous au contraire vous cherchez du challenge, si vous avez aussi des articulations qui vont souffrir, évitez les trop gros dénivelés peut-être, puis une durée approximative qui est assez fidèle en général, qui vous donne une bonne idée. Donc elles sont classées de la plus courte à la plus longue, avec là quelque chose qui nous tente pas mal. On va voir une rando, deux randos qui seront sur deux jours. Donc avec deux montagnes montées, une nuit au camp de base, assez intéressant. Donc à étudier, à voir. Sinon la plus grande qui se font, la plus longue qui se fera une journée, ça va être celle-là, 18 km, c'est le parcours des géants. Il y a quand même 723 mètres de dénivelé et c'est un temps approximatif de 7 heures. Donc voilà pour le parc régional du Massif du Sud. Bonne rando !